qui aujourd'hui sont dans les deuils, dans nos familles, dans notre pays, afin que notre foi soit plus forte en ce moment, que notre peine et nos regrets ne soient pas sans espérance. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton nom, pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton nom. Pour nous tous, pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton nom. Pour l'Église, celle-là, notre mère qui nous console pendant des moments difficiles, afin que le révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants, Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton nom. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens vous asseoir. Confiance pendant les temps difficiles. La confiance, c'est une force. La confiance, c'est une force qui vient de Dieu. Dieu qui nous a donné la vie et Dieu qui nous rappelle à tout moment que la vie ne doit pas s'arrêter à la mort. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils sur la terre, qui est comme nous, passé par la mort. Heureusement pour nous, il est ressuscité et il a partagé la vie de son Père. C'est un message fort, un message d'invitation qui nous finit. Tous mes frères et sœurs, nous voulons commencer cette journée de prière et de jeûne, cette journée d'espérance. Nous venons de commencer à partir d'ici. C'est vrai, c'est le lieu de mort, mais c'est le lieu de vie. Voilà pourquoi cette maison a réservé cet espace d'espérance. Nous allons nous tourner vers Marie, qui est la mère de Maman Nelly, celle-là qui l'a accompagnée jusqu'au bout. Nous allons commencer la prière avec Marie, notre mère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pour Maman Nelly, qui a trouvé à Marie une conseillère, une maman, celle qui l'a accompagnée jusqu'aux derniers instants de sa vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Seigneur, j'irai la voir un jour. Ô ciel, ô ciel, ô ciel. E Maria, frères et sœurs. Il nous faut beaucoup de courage pour nous adresser ce mot de remerciement. Nous voici maintenant à la croisée du chemin où Maman Nelly nous a faussé compagnie, où Maman Nelly nous a dévancé au royaume des cieux afin de préparer aussi notre place. Car c'est le passage obligé sur cette terre. Les parents, la famille, les amis ont accompagné le séjour cinquantenaire de Maman Nelly sur cette terre. Aujourd'hui, elle nous quitte. Elle s'en va. Elle nous laisse sur le territoire ivoirien triste et malheureux. Papa Félix, nous sommes le cœur avec toi. Sois fort. Que dire d'autre sinon remercier les uns les autres, la communauté congolaise de la Côte d'Ivoire et tous ici présents. Dire que de cette jeune dame, nous retiendrons l'amour, le courage, la bonté, au point de ne plus avoir la foi pour citer tous ces adjectifs qualificatifs. Un grand merci à tous. Nous ne cesserons de le dire. Ce soir, Maman Nelly vous donnera sa dernière demeure, la nécropole entre ciel et terre de Kinshasa. Merci beaucoup à vous. Que ton âme repose en paix, Maman Nelly. Ce n'est que nos revoirs, Maman. Frères et sœurs, nous savons respecter les temps que la maison nous a donné. À 10h30, à 11h30, il fallait quitter pour laisser de la place aux autres. Nous vous disons merci sincèrement pour nous avoir accordé cet espace de recueillement. Trouvez ici nos mots de remerciement et pour tout ce que vous faites, que Dieu vous garde dans cette maison. Et nous qui sommes là, ceux qui vont au travail, peut-être vous n'aurez plus le temps, mais ceux qui veulent, nous allons maintenant à la paroisse de Maman Nelly, à Sainte-Cécile, au Vallon. C'est là que nous aurons la messe à 13h. Il y a des bouchons, c'est mieux qu'on aille en convoi pour passer un peu facilement. Le curé, je l'ai vu hier, il m'a dit à 13h, soyez là. Donc nous allons commencer la messe à 13h juste. Et nous allons nous préparer à recevoir la bénédiction pour que Dieu nous garde tout au long de la route jusqu'à... Et nous aurons le reste du programme. Comme papa vient de le dire, c'est ce soir que papa Félix prendra l'avion pour aller au Congo. Voilà. qu'il reste